Et ça qui est bien important dans le programme Biden, nan, nous après que USCIS même, yo lagué et dernier, USCIS même lagué dernier sondage ou bientôt résultat que les mêmes rassemblé dans le programme Biden. Nan. Donc il y a un peu de monde qui a posé question et combien de monde qui est approuvé déjà et dans quel niveau que l'immigration les mêmes. Donc je dis là. Mais sondage ou bien tout résultat qui immigration les mêmes bail qui immigration même fouillé pour nous mêmes je n'ai pas regardé sur écran là pour Gam Biden n'a avancé gens qui les mêmes étaient souhaité là donc et pour pendant 6 mois ou bien premier 6 mois programme là mais résultat qui immigration les mêmes bail dans programme Biden là je n'ai pas regardé sur écran là nous après que mais qui information qui ont bail département sécurité intérieur américain qui c'est DHS yo même yo publié rapport sous 6 premiers mois programme là selon rapport OK yo examiné dossier 63 000 haïtiens attendez bien mes amis gagne dossier pour 63 000 haïtiens donc yo même yo gagne examiné ou bien moun sa soit approuvé pour bien moun sa yo pour entrer donc si n'a fait analyse très bien avoir que gagne 63 000 haïtiens qui a examiné dossier pour 63 000 haïtiens gagne 50 000 qui est arrivé aux États-Unis. Donc ça veut dire que grand pile haïtien qui est entré dans le programme Biden nan, et pendant premier 6 premiers 6 mois ou bientôt premier 6 mois dans le programme nan. Donc ça veut dire que ça veut dire que grand pile haïtien qui est quitté Haïti qui est en route ou bientôt qui a pas acheté ticket pour ou bien tout qui est entré et moi même tout nous gagne 6 monde dans famille par nous qui est entré dans le programme nan. Donc gagne 50 000 haïtien qui est entré aux États-Unis. Nous gagne reste 38 000 et pour qui ben et gagne 35 000 qui rivé déjà bon et imaginez gagne qui ben gagne 38 000 donc ça veut dire que swap cadeau après que Haïti lui même là lui deux fois plus que tout l'autre pays net. OK et nous gagne 29 500 pour Nicaragua et gagne 21 000 qui est arrivé déjà gagne 58 000 Venezuela excusez-moi gagne 48 500 qui rivé déjà. D'après ça, DHS Gov gagne plus passé 160 000 dossiers qui gagne en traité depuis les programmes n'ont commencé. Donc, c'est assez bonne nouvelle, ça c'est gros nouvelle, ça c'est information qui nous devons connaître aujourd'hui hein, et ça que me faire live ça me montrer nous ou bien faire vidéo ça me montrer cette information. Donc, si vous regardez bien après gagner 160 000 dossiers qui est en traité. Immigration qui est en traité en pile dossier. OK? Donc c'est important mes amis, ou même qui peut quoi approuver, mais une raison qui fait que immigration prend tout le temps ça pour arriver sur nous, c'est parce que programme là en pile, c'est parce que nombre là en pile dans immigration, c'est ça qui fait problème non. C'est ça qui crée blocus là qu'on est. On nous dit un blocus plutôt c'est pas un problème. Donc et parce que blocus ça veut dire que machine n'a marché mais la marché lent ou bien tout ligne n'a pas avancé lent. Donc nous préférons dire blocus et ça veut dire que vous même qui dans ligne ou à priver quand même prendre patience. OK? Donc et si vous avez 60 000 dossiers en traité depuis le programme a commencé, selon chiffre, c'est Haïti qui gagne plus monde qui rentre aux États-Unis dans le programme là. Donc gagne et 63 000 haïtiens bien dossiers qui gagne en traité et gagne 50 000 qui gagne arrivé aux États-Unis. Donc on y a là, gien va faire du 50 000, gien va faire du 6300 et je crois bon mais 50 000 on l'autre encore. Donc et gien en tout gien 23 000 50 000 non seulement gien 10 300 ici. Donc avec ce qui est pour rentrer dans le programme là. OK, excusez-moi parce que en mathématiques là, j'étais obligé prendre ça pour me faire les. Donc imaginez, j'étais gain 50 000 haïtiens qui est arrivé aux États-Unis dans le programme Biden nan, mes amis. Donc au même qui dans là au même qui dans train hein, train va pas les quitter ou. Train a avancé, ligne a braler. Donc ça veut dire que plus monde qui a approuvé, c'est plus pour plus ou même avant qu'il a approuvé. Donc prends patience et je nous là mes amis. Bagay en pile, immigration gen amel, immigration gen travail pour nous-mêmes. Donc, gen tan genyen 50 000 haïtiens qui rentrent dans le pays pendant 6 premiers mois programme nan. Donc, un programme qui là pour 2 ans. Et si l'autre 6 mois encore, pendant 6 mois ça va venir encore, ça veut dire programme nan bien 1 an, gen l'autre 50 000 encore.
on l'autre 6 mois encore, on l'autre 50 000 encore. Avec ce programme dans la cave à prendre, et 50 000, 100 000, 200 000 haïtiens tout. Et ça, c'est si l'immigration n'est pas accélérée. Donc, il y a 200 000 haïtiens qui ont monté le programme Biden pendant 2 ans. Je souhaite que le programme continue. Je souhaite que l'immigration augmente le volume qui a rentré ou qui a approuvé. Donc, après ça, nous, le programme et Biden a avancé bien, a marché bien. Et le système qui est en place a fonctionné bien. Ces deux systèmes qui ont mis en place pour approuver le monde. Il y a un système chronologique et un autre système aléatoire. Ça veut dire qu'il y a même une date pour date là, il n'y a pas prouvé. Et il y a un monde où il n'y a pas prouvé par hasard ou bien tout. Son bolet qui a fait. Donc, au même qui peut quoi approuver, prends patience, immigration privée sous. Prends patience, jour par là, presque arrivé. Prends patience, ou pas loin délivré.